Ah, voilà. Bienvenue à l'espace François Mitterrand. Je suis très heureux de vous accueillir, même si je serai très bien parmi vous. Tiffany Jones a fait l'ouverture, c'est donc à moi de faire la clôture. J'avais pensé à quelque chose du style ce que vous allez perdre en féminité, en grâce, en spontanéité, en sourire, vous allez le gagner. Mais j'ai pas trouvé la suite. Alors bon, j'aurais pu penser à faire quelque chose, vu qu'on est à l'orgue un petit peu à l'américaine, à l'orgue Angeles, mais là concrètement, j'avais pas de costard, donc je pouvais rien faire. Une petite chorégraphie à la Land, j'ai aucun talent de danseur, donc je vais vous épargner ça. Une petite chanson à la Jodassin pour rappeler Sing Street, que vous avez peut-être eu l'occasion de voir. Là encore, je vais vous épargner, on s'est aimé comme on se quitte de Jodassin, j'ai pas la voix. Donc tout simplement, on va commencer la cérémonie par des remerciements. En ce qui me concerne, je voudrais commencer, puisque c'est moi qui ai le micro, par remercier les personnes avec qui rien n'aurait été possible au niveau du collège et du lycée, c'est-à-dire Tiffany Jones, qui n'est pas encore là parmi nous, mais qui va arriver, Laurence Souture, et Véronique Graziana, qui est présente parmi nous également, qui sont mes partenaires de travail, dont l'investissement est quand même formidable, et sans qui ce festival au niveau du collège et du lycée n'existerait pas. Voilà, donc je souhaiterais que vous les applaudissiez bien sûr. Je voudrais également remercier Mme Sabelle Bonnard, professeure de français, dont vous avez peut-être eu l'occasion de voir les travaux, les expositions photos et textes qui figurent au centre culturel. Ces travaux sont encore affichés jusqu'à... Ils ne seront plus affichés, mais j'espère que vous les avez vus, c'était vraiment formidable. Bon, d'accord, bravo. Et bravo aux élèves qui ont tout à fait un super travail. Je voudrais féliciter aussi à titre personnel les professeurs référents qui ont choisi les films. Je ne sais pas combien vous en avez vu parmi la sélection. Moi, je les ai quasiment tous vus et j'ai trouvé que le cru de cette année était particulièrement bon. Il y avait d'excellents films, donc je voulais vraiment les féliciter. Et les élèves ont eu plaisir pour la plupart, ce que je connais en tout cas, à travailler sur ces films-là. Donc merci à eux, merci aux professeurs qui ont accompagné les élèves. Tout à l'heure, Cécile nous dira à peu près combien d'élèves sont venus au cinéma, mais on est au-delà, je crois, de 1800 ou 1900 élèves, donc c'est énorme. Donc les professeurs qui ont accompagné, je les remercie également. Et puis cette année aussi, je voudrais remercier les CPE du lycée de l'Orgue, qui chaque soir, c'est la nouveauté de ces troisième édition, ont amené les élèves internes au cinéma. Et je pense que c'était très agréable d'avoir leur présence en soirée. Ça donnait également un peu de vitalité à ces soirées-là. Donc merci à vous de cette belle initiative. Et bien sûr, je voudrais remercier tous les élèves qui ont participé à ces rencontres. Ceux qui ont fourni un travail qu'on récompensera par la suite au niveau des affiches, bandes-annonces et courts-métrages, mais aussi tous les élèves qui ont participé aux échanges qui ont eu lieu après les films. Ce n'est jamais évident de prendre le micro, voilà, j'en suis la preuve vivante, mais ils ont tous fait ça avec ceux qui ont pris la parole avec beaucoup de spontanéité et souvent beaucoup de pertinence, donc bravo à vous aussi les élèves, c'était très bien, merci. Je voudrais remercier un absent qui ne va pas tarder à arriver, c'est M. Bardet, le proviseur de la cité scolaire. Parce que depuis 3 ans, il nous a quand même donné tous les moyens possibles au niveau des enseignants, de façon à ce que l'on puisse amener un maximum d'élèves au cinéma. Et ça se fait également, ils peuvent assister à toutes les séances gratuitement, ce qui est vraiment un point essentiel de façon à amener un petit peu la culture vers les élèves et nous permettre de faire ça en tant qu'enseignant, c'est vraiment quelque chose dont on a beaucoup de gratitude vis-à-vis de ça. Monsieur Manzi, qui est le proviseur adjoint, et excusez-moi, Monsieur Sanchez, qui est le principal adjoint, qui ont dû pas mal batailler au niveau des emplois du temps et l'organisation. Donc merci à vous également. Et à tout le personnel de la cité scolaire pour l'organisation des rencontres et notamment pour le coup de main qui a été donné au niveau des apéritifs d'ouverture et de clôture. Merci à eux. Et puis je voudrais formuler des remerciements appuyés à tous les bénévoles qui ont œuvré pendant le festival, aux régisseurs comme ce soir,
à la mairie pour l'utilisation des locaux, à nos partenaires évidemment, sans qui nous ne saurons rien, les ciné-débats citoyens pour leur investissement quotidien sur ces rencontres, leur accueil toujours bienveillant, leur sourire et leur investissement total, ainsi qu'à l'équipe de Ciné Bleu, puisque c'est toute une équipe et cette équipe est parvenue à faire en sorte que le festival se déroule du mieux possible, même si ce n'était pas évident à l'absence d'Alain, Alain Foresto, à qui on souhaite un prompt rétablissement et qui, je pense, aurait vraiment souhaité être là ce soir, ne serait-ce que pour se moquer de ma piètre prestation. Voilà. Une pensée pour Alain. Voilà, je vous propose maintenant d'accueillir sur scène les représentants des partenaires du projet. Pour la mairie, Monsieur Claude Lemagna, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez venir me rejoindre? Pour le CLAS, Monsieur Marcel Berenguer. Pour la cité scolaire, Monsieur Bardet ne devrait pas tarder à arriver, nous attendons qu'il arrive. Pour les ciné-débats, André Inaudi. Pour Ciné Bleu, c'est Foresto, qui pourra nous faire un petit peu le bilan de la fréquentation des salles durant ce festival. Bien, je passe la parole à qui peut bien la prendre, peut-être Monsieur le maire. Bonsoir à tout le monde, bonsoir les lycéens et puis les collégiens aussi, et tous les parents qui sont venus également nombreux pour encourager leur progéniture. Eh bien écoutez, c'est voilà, on accueille Monsieur Bardet, s'il vous plaît. Oui, c'est lui. Allez, je vous allez bien. Donc Monsieur Bardet, qui nous fait aussi l'honneur d'assister à cette clôture cette semaine de festival du film L'Orgue, je crois que j'ai changé le nom, les rencontres cinématographiques. En tout cas, c'est un événement important puisque c'est la troisième fois maintenant que vous réalisez avec brio cette manifestation. Donc moi, je voulais féliciter bien sûr les organisateurs, les associations partenaires que sont Ciné Débat et Ciné Bleu, et puis bien sûr la cité scolaire. Premier chef, le proviseur M. Bardet, les classes, aussi le CLAS, hein, qui est mené par M. Berenguer, qui est un service de la commune, de la mairie. Remercier bien sûr tous les lycéens qui ont participé à ces rencontres cinématographiques, et puis pour ce soir aussi sur le concours de court-métrage. Merci à tous les organisateurs, je ne vais pas vous citer tous, toute l'équipe qui, effectivement, sans vous, cette manifestation n'aurait pas lieu. Nous avons la chance de pouvoir mettre à notre disposition les moyens techniques, matériels et humains pour que tout se déroule dans de bonnes conditions. Donc ici, cet espace culturel et puis celui de la salle de cinéma Jacques Batelin. En tout cas, merci beaucoup. Je voudrais féliciter par avance ceux qui vont remporter ce concours de ce soir pour le court métrage, et puis féliciter aussi tous ceux qui ont concouru parce que c'est pas évident de faire de la scène et du cinéma, et on va tout à l'heure pouvoir apprécier, comme on l'a fait pour les années passées, tout le bon travail que vous avez effectué. En tout cas, merci beaucoup, je vais pas vous épuiser la parole et la rendre tout de suite à notre organisateur. Merci. Monsieur Barreau. Merci Monsieur Bam. Merci Monsieur le maire. Je vous souhaite une excellente soirée en ce début de fin des rencontres, des troisièmes rencontres cinématographiques de l'Orgue. Mes premiers mots sont des mots de remerciement pour Monsieur le conseiller régional. Infiniment, Monsieur le maire, merci. Car sans vous, cette manifestation n'aurait jamais eu l'impact et la grande réussite que vous savez. Je voudrais être court, mais dans mes remerciements aussi, je voulais associer toutes les personnes ici présentes, les associations qui nous aident, la municipalité par le CLAS, M. Berenguer, merci. M. Inaudi, merci infiniment d'être là aussi. Je pense que vous allez dire un petit mot aussi, mais combien c'est agréable aussi de travailler avec vous, madame, le Ciné Bleu, hein, avoir un cinéma dans sa commune, c'est extraordinaire, merci.
et M. Ball, qui ce soir sera notre monsieur loyal, maître de cérémonie, vous préférez, j'en étais sûr. En tout cas, je voulais aussi dire un petit mot. C'est une soirée un petit peu particulière, puisque ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir des personnels du rectorat, des chefs d'établissement, qui se forment sur la gestion de crise, puisque nous faisons des formations dans ce domaine, gestion et communication de crise, et ils sont parmi nous et nous ont rejoints dans le public, en particulier M. Bernard, qui est chargé de responsabilité auprès du recteur dans ce domaine. En tout cas, on a un public donc, aussi avec des représentants éminents du rectorat, donc c'est pour ça que j'avais un petit peu de retard. En tout cas, ces troisièmes rencontres cinématographiques de l'Orgue ont connu un succès tout à fait remarquable grâce à ce partenariat que nous avons évoqué. Et vous êtes tous formidables d'être venus aussi nombreux ce soir. Merci et vivement les quatrièmes rencontres quand celles-ci seront closes. Bonsoir. Merci, débat citoyen, André Inaudi. On entend beaucoup le mot merci ce soir. C'est normal, hein, on a beaucoup travaillé. Je voudrais souligner ça parce que toute l'équipe qui se rassemble au moins une fois par mois au sein du comité de pilotage, les réunions se déroulent au lycée, c'est des heures et des heures de travail, des centaines de mails échangés, des recherches. Et tout ça aboutit à la création de ce festival, à son fonctionnement. Alors ça ne va pas toujours aussi facilement que ce qu'on souhaiterait, mais au bout, on y arrive, et finalement, c'est fait, ça marche. Voilà, et on essaie toujours, évidemment, de s'améliorer année après année. Donc, c'est vrai que nos partenaires qui sont là, la mairie de l'Orgue, les enseignants, l'administration et les élèves de la cité scolaire, Ciné Bleu, et nous-mêmes, Ciné Débat Citoyen, nous œuvrons pour que cette manifestation puisse se tenir le plus dignement possible. Je voudrais juste souligner que l'inventeur qui fait qu'on est là ce soir, comme tous là ce soir, c'est Gérard Toussaint qui a conçu et pensé ce projet. Nous avons aussi une pensée, ça a déjà été dit, pour Alain Foresto qui est pour l'instant indisponible, et nous souhaitons que les choses avancent rapidement pour lui. Voilà. Personnellement, j'ai eu à piloter le travail du jury de cette manifestation. Alors, on n'est pas à Cannes, hein, mais c'est presque aussi bien. Mais en tout cas, ce que je peux vous assurer, n'étant pas même membre du jury, mais simplement coordonnateur, je peux vous assurer qu'ils ont tous travaillé avec beaucoup de sérieux, ils ont tous vu les films, les 10 films en compétition. Tout a été bien préparé, discuté, et vous aurez tout à l'heure le palmarès, la Palme d'Or, l'organise le prix du jury pour ces troisièmes rencontres cinématographiques. Le jury a également décerné le prix des courts-métrages. Alors, à ce propos, si tu n'en as pas parlé, Florian, des petits papiers qu'on a donnés, voilà. Vous avez un petit papier, et nous avons décidé, sous l'idée de Florian Lalm, que à la fin de la projection des courts-métrages, on vous demandera d'inscrire sur votre petit papier le numéro du court-métrage qui vous a le plus intéressé, et très rapidement, on fera le décompte et on aura ce soir le prix du public pour les courts-métrages. C'est un lieu honorifique, il n'y aura pas de récompense, mais au moins vous aurez participé et vous ne serez pas venu que pour rester assis. On va faire travailler. Donc, tout à l'heure, on verra le jury viendra ici sur scène pour présenter le résultat. Merci. Et enfin, pour les signes bleus, je passe le micro, ben non, tu as le tien, à Cécile Foresto. Alors, merci à tous les partenaires pour cette troisième rencontre cinématographique de l'Orgue. Et je vais demander à toute l'équipe Ciné Bleu de me rejoindre, parce que sinon, je pense que ça aurait été un peu compliqué à terminer cette année, vous savez pourquoi. Donc, un grand merci à toute l'équipe pour le dévouement, la technicité et le soutien.
Merci aussi aux spectateurs, aux jeunes et aux moins jeunes. Venez, les ciné bleus, allez, hop, hop. D'équipe. Merci aux spectateurs, jeunes et moins jeunes, d'avoir partagé ces moments de cinéma. Et maintenant, les chiffres. Vous avez été 1829 élèves. Nous avons eu 116 internes. Et alors, bravo aux internes, bravo, parce que tous les soirs, vous étiez là, et ça fait plaisir. Et le tout public, vous avez été 707. Ça nous donne un total de cinéphiles à l'orgue pour ces rencontres de 2652 spectateurs. Voilà, merci à tous. The show must go on. Bravo. Merci beaucoup. Je vous invite à regagner vos places si vous souhaitez, mais vous pouvez rester avec moi si vous voulez, n'hésitez pas. Bien, je souhaite également remercier nos sponsors que sont le Crédit Agricole, la CAD et CTS Marseille. Nous ont notamment aidé de la plaquette. On va passer maintenant au moment le plus attendu, c'est-à-dire le palmarès des travaux d'élèves pour ces 3e RCL. Donc, avant de remettre les prix récompensant les divers travaux d'élèves, je vous propose de revoir, vous les avez sans doute vus plusieurs fois, mais ça mérite d'être vu, les deux bandes-annonces qui ont obtenu le premier prix et le prix spécial des RCL. Sur les personnes qui ont travaillé sur ces bandes annonces. Donc pour remettre le prix de la première affiche, celle que vous avez vue fleurir dans les rues de l'orgue, que vous retrouvez sur la petite jaquette qui est là, j'appelle pour remettre le prix tout d'abord, si vous le direz bien, monsieur le maire, monsieur Claude Alemania, et donc j'appelle notre jeune vainqueur, Mohamed Shakir, qui est élève de CM2, on l'applaudit bien fort avec un bravo. Parce que ça serait peut-être sympa aussi d'avoir une photo avec tous nos vainqueurs à la fin. Donc il va falloir qu'ils tiennent debout encore un petit moment.
Bien. Pour remettre le prix de la bande-annonce officielle, je vais demander à M. Bardet, le président de la cité scolaire, de venir me rejoindre. Et je vais demander à vous d'applaudir bien fort Julien Cotte, qui est un élève de terminale STI. Bravo à toi. Tu as nous dire sur la façon dont tu as travaillé? Moi, je dis que tu as très bien travaillé. Voilà. Merci à toi. Pour le prix spécial de la bande-annonce, je ne sais pas s'il est parmi nous, Julien Belterfa. Il n'est pas là, Julien? Ok. Un ami de Julien, peut-être, parmi nous? Pour la circonstance, Damien, on va faire applaudir au nom de Julien Belkalfa qui a fait la deuxième annonce aujourd'hui. C'est pas la deuxième. Donc, tu peux nous dire, ça a été son inspiration, c'est toi qui lui a tout appris. Le prix spécial du RCN. En fait, il a donné que son nom, c'était son frère. Non, c'est... il y avait ça tout seul. Mais bravo, tiens. Ça arrive. Comme tu veux, c'est toi qui vois. Les absents ont toujours. Bravo. Je vais maintenant demander pour l'affiche lycée, la première affiche lycée, à Regan Brifoto, Taous Toilit et Franck Nicolas de la seconde C de venir nous rejoindre s'ils sont parmi nous. Tu es l'inspiration également pour ce formidable travail. D'accord, chez Franck Nicolas et tes camarades sont pas là. Tu vas avoir trois cadeaux. Tu vas repartir les mains pleines, c'est l'école des fans ce soir. Et voici l'œuvre dont nous parlons. C'est bien ça au moins? Voilà, je te laisse la tenir. Prendre la pose pour la photo, c'est un remarquable travail, bravo. Bien. Pour le prix de l'affiche collège, je vais demander peut-être à un professeur du collège, Madame Graziana, si vous pouvez venir avec nous, pour remettre ce prix à, là je sais, je l'ai vu, à Clément Mazzocchi, qui est un élève de 4e D. Bravo. Donc Clément est responsable de l'affiche que vous avez vue également au dos des plaquettes. Bravo Clément. Bravo. Enfin, pour le prix spécial de l'affiche lycée, est-ce que Lily Lucas est parmi nous? Lily n'est pas là? Lily. Si? Oui. Bien. Madame Jones? Et voilà le travail de Lily. Félicitations. Et un grand bravo à notre... Merci à vous. Il n'a pas tout perdu. Merci. Je faisais un zoom sur la fiche. Juste, j'ai tourné la tête. Ça peut pas dire qu'on s'ennuie, hein, c'est... Tout est scénarisé, évidemment, on est aux Oscars. Oui. Bien. On va passer maintenant au palmarès des films RCL 2017 en régie.
Donc avant d'appeler le jury et de vous annoncer le nom des vainqueurs des différents prix, prix du jury, prix du jeune public, prix du public, je vous propose de regarder un petit montage vidéo qui va vous rappeler ce qu'ont été ces troisièmes rencontres cinématographiques, avec un extrait que vous reconnaîtrez sans doute de chaque film que vous avez pu voir pendant cette dizaine de jours. Ça, c'est quoi? Ça, c'est
système que j'utilise pour immobiliser mon ami. La guerre au type grandeur nature demande une précision extrême. Le temps de pause est très long. Si le modèle bouge, ne fût-ce qu'un tout petit peu, c'est très embêtant. Ah, je l'ai vu, votre modèle dans l'escalier. Une dame avec un costume ancien. C'est elle? Oui. Celle de Gariotti pour vraiment été réalisée il y a 170 ans. Mais oui, c'est pareil. Moi, j'essaie de reproduire ici. I didn't know you had an ex-husband since when? Couple of years since graduate school. Did you love him? Yeah, I loved him. He was a writer, and I didn't have faith in him. I panicked and I did something horrible to him, something unforgivable. You left him. I left him. I left him in a brutal way. Vous allez comment? Je sais pas. On vit un peu au jour le jour. Moi, j'essaye d'apprendre à vivre sans raisonnement, sans rationnel. Incompréhensible tout ça. Mais bon, elle est là. Oui. C'est le plus important et c'est grâce à vous. On va y arriver, vous verrez. Quoi? Après cette petite plongée en apnée sur nos souvenirs. J'espère qu'ils ont été bons pour tous. Avant d'appeler tous les membres du jury, avant de vous donner les résultats de votre vote, le vote du jury, je vais demander à trois personnes de venir nous rejoindre pour nous donner justement chacun des prix. Alors pour commencer, je vais appeler Thomas Serra. Tu peux poser ton téléphone portable et tu vas venir avec moi s'il te plaît. On peut l'applaudir, hein. Il est timide. Donc Thomas, tu étais membre du jury. Tout va bien. Je vais te passer le micro, c'est toi qui vas remettre le prix du jeune public dans l'enveloppe que je vais te donner, parce qu'on est un peu comme à Cannes ici, on a une enveloppe contrôlée par l'huissier. Alors, en troisième position. Troisième position ex aequo, nous avons Nocturne Animals, Le ciel attendra. En deuxième position, nous avons Sing Street. Et en première position, Divine de Ouda Demian. Merci. Donc, Divine, prix jeune public. Pour remettre le prix du public, je vais demander à quelqu'un qui n'aura plus beaucoup l'occasion d'être jury, qu'il a été pendant 2 ans, avec brio. Qu'a-t-elle ? Fouquet, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir parmi nous ? Félicitations, enfin, un peu en avance. On paraît toujours contrôlé par l'huissier. Le prix du public, hein. Oui, je l'ai bien précisé, mais je le redis, c'est le prix du public. Donc, troisième position, Sing Street. Deuxième position, l'Olivier. Et première position, the winner is La La Land. Non, c'est une blague. Non, mais je vais vous donner la merde, en fait. Ah. C'est
C'est Moonlight, non? Donc, the winner is La Pazza Giaoda. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est la Pazza Gioia. Mais merci, ça a été dit avec talent. Merci à toi d'avoir joué le jeu. Je vais appeler maintenant... je vais rien appeler du tout d'ailleurs. Je pense qu'on va... Je vais vous inviter à regagner vos places et que nous allons pouvoir passer à la présentation du Festival des courts-métrages. Le court-métrage lycéen 2016. Le prix du jury. Oui, on va le donner maintenant au prix du jury. Au prix du jury, je vais appeler Juline Gaillé. Pourquoi il n'appelle pas le jury? Par contre, je n'ai pas l'enveloppe pour toi. Hein. J'étais pas dans le secret des dieux. Non, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il avait gagné avant le jury aussi? Bah, c'est le prix du jeune public. Ah, je te laisse faire comme les points que ça. Alors, donc pour le prix du jury, en troisième position, Divine de Gouda Benyamina. En deuxième position, Nocturnal Animals de Tom Ford. Et en première position, Folle de joie de Paolo Virgi. On peut donc dire qu'il y a eu un consensus.